Good morning, Aleiden. L'étude sera aujourd'hui le Nishmat Amram Yona Ben Chana, Peggy Bat Esther, Kuga Bat Frit, Nazra Bat Madav Tov Shish Vortish. Si vous souhaitez vous aussi dédier une prochaine étude de Mishnah, contactez le 5 minutes éternelles. Nous étudions Sanhedrin, Perek Zayin, Mishnah Yud. Hamesit, Zehediot, Hamesit, et Taediot. Amar lo yesh rabim komploni, kach ochelet, kach shota, kach metiva, kach meria. Kol chayim mitot shebatora, en machminin aleihen, chutz mizo. אמר לי שניים והן עדיו, מבין אותו לבית דין וסוכלין אותו. אמר לי אחד, הוא אומר, יש לי חברים רוצים בכך. אם היה ערום ואינו יכול לדבר בפניהם, מחמינין לו עדים אחורי הגדר, והוא אומר לו, אמור מה שאמרת לי בייחוד. ולא אומר לו, והוא אומר לו, איך נניח את אלוקנו שבשמיים ונלך ונעבוד עצים ואמנים? אם חוזר בו, הרי זה מוטב. ואם אמר, כך יחובתנו וכך יפה לנו, העובדים מאחורי הגדר, מביאים אותו לבית דין וסוקלין אותו. האומר, העבוד, אלך ועבוד, נלך ונעבוד, הזבח, אלך והזבח, נלך ונזבח, אקטיר, אלך ואקטיר, נלך ונקטיר, אנסך, אלך ואנסך, נלך וננסך, אשתחווה, אלך ואשתחווה, נלך ונשתחווה. המדיח זה אומר נלך ונעבוד עבודה זרה. אוקיי. On continue dans notre Mishnah à préciser les derniers cas de Chiyuvé, Skila, les condamnations à la lapidation qu'on avait évoqué dans la Mishnah d'Alet, les gros titres. On reprend dans toutes les Mishnah qui suivent, on reprend chaque terme et on l'explique dans les détails de quelle manière exactement on est condamnable. En l'occurrence, dans notre Mishnah, on va parler du Messit et du Madiar. C'est le même principe. C'est celui qui incite. Regardez la, comme le mot se ressemble. Les Hasit, inciter en français. Il incite à faire la Vodazara. Il y a deux cas différents. Il y a celui qui incite le particulier et celui qui incite la ville entière. C'est un peu nuancé, ça dépend pour qui. Mais en tout cas, c'est le même principe. D'accord, c'est le Messit. Le Messit à faire la Vodazara. Il incite à faire de la Vodazara. Donc, la Mishnah nous enseigne « Ze hediot ha mesit et ha hediot ». On ne parle que du cas du « hediot ». « Hediot », c'est un simple. Le simple qui incite le simple. À exclure le prophète qui incite le simple. Et à exclure le simple qui va inciter la ville entière. Que dans ce cas-là, il n'aura plus le statut de « mesit », mais le statut de « madiar ». D'accord ?« Madiar », parce qu'on va parler dans ce cas-là, il va être semblable au... Il va entrer dans le cadre de ce qu'on appelle la iranidachat. Concrètement, la Mishnah vient et nous enseigne. Sache que si c'est un simplet qui vient et qui incite son ami à faire la vodazara, il va lui dire, ouais, comme ce que la Mishnah va nous dire, par exemple, à Marlo Yeshira Bemakom Ploni, sache qu'il y a une divinité vénérée, Ira, Milachon, au nom de qu'on la craint, d'accord, on la vénère, Bemakom Ploni, à tel endroit, il y a là-bas un. Une statue, un dieu, un faux dieu, bien sûr. Bemakom ploni à tel endroit. Kach ochelet, elle mange ainsi. Kach shota, elle boit ainsi. C'est-à-dire, il faut la servir de cette manière. Kach metiva, une fois qu'on lui donne à manger ou à boire, elle nous fait telle bonté, telle grâce. T'as besoin de mazal, on va partir chez Boudra. On va lui faire là-bas un korban, un sacrifice. Kach metiva et kach meria. Elle sait le faire ainsi, ou bien elle est capable de faire du mal, tu veux te venger de ton voisin qui t'énerve, viens on va faire la Vodazara, va là-bas tu vas faire la Vodazara, et tu vas voir comment ensuite l'autre il va mourir. D'accord? Peu importe comment il incite. Alors ça c'est le Messite, et c'est uniquement quand c'est un Hediot qui incite le Hediot. D'accord? C'est-à-dire le Hediot, donc on a dit le simple, et non le Navi, celui qui vient au nom d'un, qui a reçu une prophétie, et qui dit j'ai une révélation de Boudra. Ouais, Bouddha c'est Boudra. Donc il a une révélation de Boudra qui lui dit qu'il fallait venir faire la Vodazara, et donc maintenant il appelle son ami à venir le suivre pour partir ensemble en Inde, faire cette Vodazara. Dans ce cas-là, puisqu'il vient au nom d'un prophète, il y a un avis qu'il doit être Bechenek. C'est l'avis de Rabbi Shimon, le partenaire va expliquer ici selon cet avis, puisque c'est Zehediot, donc si c'est un avis, c'est différent. D'accord? Un avis, un prophète. Donc le prophète, lui-même, il sera son Rabbi Shimon, il sera Bechenek, tandis que s'il vient au nom de simple, en tant que simplet, simplement il a envie d'aller le faire, il pense que c'est une bonne chose d'aller faire,
Dans ce cas-là, il sera Beskila. C'est intéressant de voir qu'il aura une mort plus grave, alors qu'il est plus simple. On aurait pu croire. De prime abord, moi, personnellement, ça m'a un peu étonné. De prime abord, celui qui vient au nom de grandes révélations et qui nous trompe, il fait une transgression plus grave, apparemment. Eh bien, je ne sais pas pourquoi, la condamnation à mort, elle sera plus grave quand, justement, quand c'est un simple qui vient au nom de lui-même. D'accord ? Donc, ça, mais c'est idiot, mais si t'étais idiot, celui qui incite le idiot, le particulier, à exclure, cette fois-ci pas celui qui, à exclure celui qui va inciter la ville entière, une ville entière, alors là, il aura un statut spécial d'être Bechenek. D'accord ? Bechenek, la strangulation, c'est un cas particulier, c'est le Messie thérapie. D'accord. On continue donc la suite. Donc on a traduit la partie de la Mishnah qui nous dit de quelle manière il commence à l'inciter, en lui disant, ouais, il y a là-bas en Inde un Bouddha qu'il faut partir le servir, et il va te faire tel bien et telle bonté. Alors maintenant, on va découvrir quelque chose de très particulier. Que inciter à la Avodah Zarah, il faut nécessairement être en comité restreint. Une personne, deux personnes. On va avoir un problème concret avec des témoins. De quelle manière, pour toute transgression, normalement, il faut deux témoins, et pire que ça, deux témoins qui vont l'avertir. Et bien spécialement, pour celui qui incite à la Avodah Zarah, on va découvrir un statut particulier qu'on pourra lui cacher des témoins qui ne vont pas l'avertir, et dès qu'il va transgresser, on va le prendre, on va le condamner à mort. C'est le seul cas de la Torah. Kol Chayve, il y a peut-être un autre cas un peu nuancé, le cas des Etzomem, c'est un peu différent, mais en tout cas, c'est la seule transgression franche de la Torah, où justement, on n'a pas besoin d'être prévenu, d'être averti avant de transgresser pour être condamné à mort. Mais justement, Kol Chayve mitot sheva Torah en machminin alayen. Pour toutes les transgressions de la Torah, on ne peut pas cacher les achmin, ça s'appelle cacher, ça se traduit cacher. On ne peut pas cacher des témoins pour le condamner. Soit, si on soupçonne Réhouven de transgresser le Shabbat, mais en cachette, on ne va pas pouvoir cacher deux témoins qui, et on va leur dire, regardez qui transgresse le Shabbat en cachette, attendez qu'il transgresse, qu'il fume la cigarette en cachette, et sortez, on va l'amener au Beit Din. On ne le condamnera pas de cette manière. Pourquoi ? Parce que les témoins doivent, pour toutes les transgressions de la Torah, doivent nécessairement l'avertir. Quelqu'un doit l'avertir, le dire, tu sais que tu es en train de transgresser un grave interdit. On a envie, au contraire, qu'il ne transgresse pas et qu'il fasse tchouba. On doit l'avertir. Et il doit lui transgresser la chose en disant, malgré tout, je veux transgresser, c'est plus important pour moi de fumer, le Shabbat. Et alors seulement s'il dira ça, on ira le tuer. Et bien, pour spécifiquement l'interdit de Messite, celui qui incite à la Avodah Zarah, cette fois-ci, les témoins ils pourront être cachés. D'accord ? Pour toutes les condamnations de la Torah, on ne cache pas des témoins pour le condamner. Au contraire, on veut qu'il transgresse à chaud pour le condamner à mort. Shrutzmizo, à l'exception de celui qui incite. Là, c'est le seul cas de la Torah où on peut cacher des témoins qui témoigneront ensuite, qui sortiront une fois qu'il aura fait la transgression. Comme ce qu'on va le voir dans le Mishnah. Il y a tout d'abord un premier cas simple de Messite, où on n'a pas de problème avec les témoins, c'est le cas où il va venir inciter deux personnes. Alors, Amar Lishnaim ve'en edav, mevi'in oto le bedin ve'soklin oto. S'il a dit à deux personnes, il a commencé à leur raconter comment Bouddha d'Inde, c'est une divinité, canon, venez avec moi, on va partir, on va lui faire là-bas des sacrifices, vous allez voir comment votre vie, elle va être plus intéressante, vous allez manger du chat ensuite, ça va être extra, d'accord, on va devenir des boudrous. Donc, Amar Lishnaim, Ve'en Edav, il a dit à deux témoins, et alors là, ils pourront être eux-mêmes les deux témoins qui vont le tuer. Il a dit à deux personnes, qui seront eux-mêmes ces deux témoins, et immédiatement, on le prend par les oreilles, et on le tire au Beit Din, mais vinoto le Beit Din, mais sokli noto, et on le lapide tout de suite, même si on ne l'a pas prévenu. Le cas, maintenant, plus délicat, va être celui où il est venu inciter une seule personne. Alors là, on va être en problème. Amar l'Echad, s'il a dit une seule personne, comment il va faire maintenant pour prouver qu'il a voulu l'inciter à faire la Avodah Zarah ? Comment va-t-il pouvoir le condamner, faire condamner à mort ? Tout seul, il ne pourra pas. Un contre un, il n'y a pas de raison de dire que lui l'a incité, il faut forcément des témoins. Pishnaïm a dit Makum Davar, il faudra toujours tout témoignage, il faut nécessairement des témoins. Alors comment ça se passe ? S'il a commencé à ouvrir son dialogue en intimité avec un seul copain, il a commencé à lui parler de cette Avodah Zarah de Bouddha d'Inde. Alors, Omer, Yeshni Khaverim Rotsi Bekar.
l'autre, il va lui dire, il va essayer de l'entourlouper en lui disant j'ai un copain qui est aussi très intéressé à partir en Inde avec toi. Attends, viens, tu veux pas nous parler, tu nous racontes un petit peu la grandeur de ce boudra. Alors, si toutefois, il tombe dans le panneau, il amène son copain, il l'écoute ensemble, et après, une fois qu'ils ont fini, ils lui sortent les menottes et ils l'amènent au Beit Din. Mais si toutefois, Imaya Arum, s'il était malin, l'autre il a dit non, moi je parle que devant une seule personne, je ne peux pas parler devant deux personnes, j'ai des raisons personnelles, en réalité il sait très bien que s'il parle devant deux personnes, ils vont pouvoir l'amener au Beit Din. Veno Yachol Edaber Mifnem. Imaya Arum, Veno Yachol Edaber Mifnem. S'il était malin, Arum, quelqu'un de malin, on appelle Arum, Veno Yachol. Il ne peut pas parler devant eux. Il a peur qu'ils vont l'amener au Beit Din. Alors qu'est-ce qu'on va lui faire? Mahminin lo edin achore agader. On va lui cacher des témoins derrière la barrière. Veo omerlo. Et alors là, il va lui redire. Donc on va l'inviter. On va lui dire viens, on va se boire un café chez moi à la maison. Et il va appeler deux personnes. Il va leur dire de se cacher. Mais achore agader, derrière la barrière, derrière le mur. Et une fois qu'il va lui servir le café, il va lui dire vas-y, reprends un petit peu tout ce que tu étais en train de me dire la dernière fois qu'on était tout seul en intimité. Tout ce que tu as commencé à me raconter sur ce boudra. Et l'autre, il va commencer à lui reparler, à lui répéter de nouveau comment cette avodazara, elle est super, elle va l'aider dans la vie. Et alors lui devra lui rétorquer. Regardez, c'est une forme de hatra, ça ressemble un petit peu à la hatra, au fait d'avertir, ne pas le remettre en cause et attendre que malgré tout il va vouloir transgresser. De quelle manière? Et lui, il va lui rétorquer. Mais comment veux-tu que tu me dis de partir servir Boudra? Mais qu'est-ce qu'on va faire? On va laisser notre Dieu dans le ciel du ciel. Comment va-t-on laisser notre Dieu du ciel? Et on va partir servir des bouts de bois et de pierre. Etzim, du bois et de la pierre. Ouais, ou un bout de drap. Si notre femme dit, ah, t'as raison. Il revient sur ses paroles et dit, t'as raison, je crois que faut pas trop en faire. Alors, Arezé Moutav, tant mieux. Il lui dit, mais oui, tu vas voir, ça va être super. C'est notre devoir. On est venu sur terre pour le servir, ce boudra. Et ce sera bien pour nous. Alors, d'un coup, ceux qui étaient cachés derrière la barrière sortent immédiatement et lui disent, tu es en état d'arrestation. Tu auras le droit de garder le silence. On te tuera de toute façon. Ils lui mettent les menottes et ils la mettent au Beit Din. D'accord? Aoudim Mahro Agader, je vais comprendre dans les mots. Ceux qui étaient cachés derrière, les deux copains qui étaient cachés derrière, les deux témoins, sortiront, mais Vinoto le Beit Din, ils l'amèneront au Beit Din, Vesoklinoto, et on le lapidera. Précision quand même importante, sans trop rallonger. C'est une longue Mishnah, je préfère pas trop aller le plus vite possible, quoi, mais en tout cas, une remarque importante. Regardez qu'en théorie, on aurait pu dire que c'est suffisant d'avoir un seul copain qui se cache derrière le mur. Pourquoi? Puisque on a vu que le moussat, celui qu'on essaye d'inciter lui-même, peut témoigner contre celui qui l'incite. Alors pourquoi faut-il cacher deux témoins? Là, il y a une halakha particulière. C'est qu'étant donné qu'on t'a permis, que la Torah elle a permis spécifiquement ici d'avoir, de cacher deux témoins, chose qu'on ne fait nulle part, on ne cache jamais deux témoins. On attend toujours que les témoins soient francs et qu'ils le préviennent et que malgré tout, ils transgressent. Spécialement, alors par rapport à ça, il fallait que ces deux témoins, il y a une halakha déduite qu'il fallait que les deux témoins ils soient ensemble, qu'il y ait deux témoins qui soient ensemble cachés derrière le mur. D'accord? Cas particulier. Ha Omer Eler et Evod. Eler ve Evod, Neler ve Naavod. Et une petite discussion, est-ce qu'on parle cette fois-ci sur celui qui incite ou sur celui qu'on essaye de convaincre, qui doit ensuite réagir pour être condamné à mort? C'est-à-dire, si quelqu'un est venu m'inciter, et que moi j'ai vendu à la mission, je dis ouais, je veux. C'est une manière d'expliquer à la Mishnah que j'ai répondu à Omer, celui qui dit, celui qu'on a voulu inciter, qui a répondu Evod, oui, je vais partir en Inde, je vais prendre mon billet. Elarve Evod, c'est-à-dire, je vais aller servir le Boudra. Elarve Evod, je recommence. Et Evod, c'est-à-dire, je vais servir le Boudra. Je prends sur moi de devenir un, de me soumettre à cette divinité. Ou encore,
Je vais partir en Inde et là-bas, je vais prendre sur moi de devenir un serviteur de ce Bouddha. Nelervena avod, ou ensemble, viens, on va partir ensemble. D'accord ? Donc là, j'ai interprété la Mishnah selon l'avis qui pense qu'on parle de celui qui a mendu à l'hameçon, de celui qu'on a voulu inciter, qui avait aussi des témoins, que les témoins, du coup, ils l'ont entendu mendier à l'hameçon. Il y a d'autres commentateurs qui expliquent qu'on parle en réalité de celui qui incite. On vient continuer les paroles de celui qui incite à faire la Avodah Zara, qui devra lui-même dire « Je vais moi-même partir avec toi, je vais moi-même la servir avant toi, viens on part ensemble en Inde, moi je vais être le premier qui va commencer à servir le Bouddha. » Donc Omer et Evod, ça revient au même, c'est le même principe. Et donc remarque, je vous explique le principe de ces quelques prochaines lignes, il va y avoir sans arrêt, on va mentionner le principe de cette partie de la Mishnah, c'est d'expliquer que ils doivent, pour être condamnés à mort, ils doivent dire qu'ils vont partir la servir. Servir la Avodah Zara, se soumettre à elle. Et on va voir à chaque fois trois expressions qui vont être répétées sous trois formes. C'est-à-dire, je vais servir, je vais aller la servir et on va aller, nous allons aller la servir. Et après, on va répéter avec le fait, je vais lui égorger un sacrifice. Je vais aller lui égorger un sacrifice, nous allons aller lui égorger un sacrifice. On va la même chose aussi, le faire une ablation, je crois que ça se dit. Et on va lui verser du vin, c'est le nisuch hamaim, ou nisuch hayayin, des oblations, c'est le bon mot. D'accord, azabeach. Et à chaque fois, en réalité, le principe de notre Mishnah, c'est uniquement de nous dire qu'ils ne seront condamnés à mort, qu'il s'agisse de celui qui incite, ou de celui qui se fait inciter à faire la Avodah Zara, à partir du moment où il prend sur lui de partir, d'aller faire la Avodah Zara, quelle que soit l'expression qu'il va utiliser, dès qu'il va utiliser, il va affirmer qu'il veut aller faire une action interdite, comme ce qu'on avait appris la Avodah Zara, il sera désormais condamné à mort, même s'il n'est pas parti, bien évidemment. Ouais. On ne parle pas de quelqu'un qui va partir faire la Avodah Zara concrètement. Le simple fait d'avoir été incité et d'avoir mordu à l'hameçon, dès lors, il sera condamné à Ochiouv Skila. Quelle que soit l'expression qu'il va utiliser, qui va dire « je vais servir, je vais aller la servir, ou nous allons aller ensemble la servir. » Moi, avec mon copain, quel est l'intérêt de préciser à chaque fois ces trois niveaux? On aurait pu croire que « je vais servir », ça signifie que maintenant, j'accepte de me soumettre. Mais quand je dis que « je vais aller la servir », peut-être que d'ici là, d'ici que j'arrive en Inde, je vais peut-être revenir sur mes paroles. Ou si je dis « nous allons partir », en faisant allusion à mon copain, à mon ami d'enfance qui va me suivre aussi dans mes plans, peut-être que finalement, il ne va pas vouloir me suivre. Et donc, ça va faire... On aurait pu croire que je n'ai pas encore pris sur moi de devenir un fidèle serviteur du Bouddha. Et bien, malgré tout, je suis condamné à mort. D'accord ? Donc, maintenant. On avait expliqué. Comme pour la Avodah Zara, les transgressions, les actions interdites sont le fait de la servir de la manière dont l'usage est de faire le service. D'accord ? Chaque Avodah Zara selon son rituel. Il y a à part ça le fait de lui offrir une offrande, une oblation, ou encore de se prosterner devant elle, ou de même de lui faire brûler une encens. Et donc la Mishnah va nous répéter constamment toutes ces phrases selon les trois tournures. Je vais servir, je vais aller la servir, nous allons la servir. C'est ça. Aomer et Evod, Elechve et Evod, Nelechvena Avod, Azabeach, lui faire une zvicha. Égorger, lui offrir une offrande. Azabeach, Elechba Azabeach, Nelechba Azabeach. Donc, je vais égorger. Je vais aller lui égorger, lui offrir un sacrifice. Nous allons aller lui offrir un sacrifice. Aktir, Elechba Aktir, Nelechba Aktir. La même chose maintenant avec une encens. Je vais lui brûler une encens. Je vais aller lui brûler une encens. Nous allons partir lui brûler une encens. Anaser, Elechba Anaser, Nelechba Anaser. Je vais aller faire une oblation. Je vais aller faire une oblation. Nous allons partir faire une oblation. Je vais me prosterner. Je vais aller me prosterner. Nous allons partir nous prosterner. Tous ces cas-là, dès qu'il aura dit cette phrase, il sera condamné à mort, qu'il s'agisse du messite ou du moussat, de celui qui incite ou de celui qui se fait inciter. D'accord ? À part ça maintenant, Hamadiyach. Un autre cas maintenant, c'est le Madiyach, celui qui va s'adresser à un public, qui a un statut de nouveau quasiment le même, en tout cas il sera condamné lui aussi au Chiyuv Skila, c'est celui qui va dire Madiyach et Arabim, ken, il incite le public,
Zéomer, Nelech Vena, Avoda, Avoda Zara, il devra nécessairement dire, ah, venons ensemble, allons servir la Avoda Zara. Dès qu'il aura dit ça, il sera condamné à mort. D'accord? Même s'il n'a pas transgressé concrètement, le simple fait d'avoir voulu inciter un public à le suivre dans la Avoda Zara, ça lui donne le statut du Madiyar. On a fini la Mishnah et on fait à présent le Barthé Noir. Il n'y en a pas beaucoup de Barthé Noir, ouais. Hamesit, celui qui incite, Zehediot, Hamesit, Ata Ediot, c'est le simple qui incite le simple à exclure. Davka Hediot, chez les sites, uniquement le simple qui incite. Chez Navi Hamasit, Mitato Bechenek. Par contre, si c'était un prophète qui incitait à faire la Avoda Zara, sa condamnation à mort sera le Chenek, la strangulation. Hamesit, Ata Ediot, c'est celui qui incite le simple à exclure. Lavdavka. Pas nécessairement. Shalom asinu chilouk ben masit ata idiot le masit ata navi. C'est-à-dire, le Barthé Noir soulève un problème. On a le mot idiot qui vient exclure quelque chose. Idiot, c'est simple. Le simple. Comme Kohen, idiot. Un simple. Pas idiot. On dit un idiot, mais idiot. D'accord? Même si un Tiferet Israël, si ça vous intéresse, il y a un Tiferet Israël qui explique qu'un simple est idiot, un simple. Il laisse un mot dérivé du mot idiot. Comme ça, il rapporte ici, c'est intéressant. C'est à approfondir. En tout cas, qu'est-ce qu'il va faire avec les Kohen, idiot? Je ne sais pas. Je n'ai pas approfondi ce qu'il dit. En tout cas, quand on a dit le idiot, amasit at idiot, le idiot qui incite le idiot. Le premier idiot, il va exclure le navi. On aurait pu croire dans ce cas-là que amasit at idiot peut exclure celui qui incite le navi, de nouveau. Si on a un simple qui incite un navi, il ne sera plus condamné à mort. Alors, Barthé Noir vient de dire non, non, ce n'est pas ce qu'il faut exclure. Parce qu'on n'a jamais entendu une histoire pareille. L'omatsinu, shalomatsinu chilouk ben masitata idiot, le masitata navi. On n'a jamais entendu une différence entre la personne qui se fait inciter, si c'est un simple ou si c'est un navi, un prophète. Alors quoi, qu'est-ce qu'on exclure? Ela, le maote masitata rabim. On est venu en fait exclure celui qui est masit, le public, un public. Comme le cas particulier de celui qui va inciter toute une ville qui aura là alors un statut d'être bechenek, d'être de nouveau de mourir par strangulation. D'accord? Machminin, on avait vu qu'il lui cache des témoins. Machminim, lachmin, caché. Lachon ma'arav. Ma'arav, c'est un endroit où on guette. Le fait de guetter, c'est orev en français, en hébreu. Au rêve avec un F. Pardon. Imaya Mesit, Arum, Venoyer, Choladaber, Mifneem. Là, on avait vu le cas. Comment le faire tomber dans le panneau? S'ils sont deux témoins incités, deux personnes incitées, donc il n'y a pas de problème. Il l'attrape, il l'amène au Bedin. Mais si toi, il n'y en avait qu'un seul, comment il va faire? Alors, il allait lui dire tout d'abord, viens, tu vas me répéter tes paroles devant mon ami. Et si l'autre, il est malin, Veaya, Arum, Venoyer, Choladaber, Mifneem. S'il était malin et qu'il ne voulait pas parler devant deux personnes. Pourquoi? Klomar, Omer Alanisa, Chenoy Achol d'abord Bifnem, Bifneirat Betdin. Il craint de parler en public, de peur qu'on va le condamner à mort. Alors là, il devra le faire tomber dans le panneau, comme on avait vu, de lui cacher deux témoins, et lui demander ensuite, redis-moi ce que tu m'avais dit, Beichoud, quand on était ensemble, en intimité. Klomar, En Ishimano, Veyachol Ata, Lomar Ata, ah, c'est pas qu'il va lui dire, il va lui dire, maintenant qu'ils sont en intimité, il va lui dire, répète-moi ce que tu m'avais dit la dernière fois. D'accord? Klomar, c'est-à-dire, En Ishimanu, maintenant il n'y a personne avec nous. Et tu peux à présent dire ce que tu m'avais dit, Macha Martelikbar, ce que tu m'avais dit à l'époque. Haomer et Evod, là on est passé à la fin de la Mishnah, où il y avait toutes les expressions que le Messit, que celui qui incite, devait dire. Qu'il pouvait dire pour être condamné à mort. Quelle que soit la manière dont il s'est exprimé, puisqu'il a dit qu'il allait transgresser une action sur laquelle on est chayav dans la Avoda Zara, qui sont les rituels spécifiques, et le fait de faire, d'offrir une offrande, une oblation, de se prosterner, et de. D'accord? Donc, dans tous les cas, on a le. Il sera condamné à mort. Quelle que soit la formulation qu'il a dit, il s'appellera Messit, quelqu'un qui incite, il sera condamné à mort. Hamadiyar, ça c'était le dernier cas de la Mishnah, celui qui est Madiyar, qui va inciter plusieurs personnes. Par contre, s'il vient inciter plusieurs personnes, un public, il devra nécessairement dire
Nelech venavod. Allons ensemble servir le Bouddha. Et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha. Kol tov, selam.